Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue de nouveau dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+. Pour ce samedi 2 avril, voici nos titres. La Banque mondiale a approuvé le 25 mars dernier un montant total de 400 millions de dollars pour améliorer la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales dans certaines zones rurales de Madagascar, notamment dans le sud. Il s'agit du projet Connecter Madagascar pour une croissance inclusive qui se compose d'un crédit remboursable de 200 millions de dollars et d'un don de 200 millions de dollars qui aideront le pays à améliorer l'accès des communautés rurales aux opportunités sociales et économiques. Les résultats attendus des politiques publiques à travers les divers projets et programmes appliqués ne sont pas visibles et n'atteignent pas directement la population, selon le constat de la Commission d'évaluation des politiques publiques auprès de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle il est nécessaire d'entreprendre une évaluation de cette politique afin de constater les failles empêchant de ressentir les impacts et d'en tirer de bonnes résolutions, selon la présidente de cette commission. Les pêcheurs dans la commune d'Ambatlantsmafouts, région d'Analamang, n'ont pas reçu leur part d'aide sociale Vatins. Or, ils figurent parmi les victimes de l'inondation provoquée par les dernières intempéries survenues dans la grande île depuis peu. La Russie salue la position de l'Inde sur le conflit en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a salué vendredi à New Delhi l'approche équilibrée, selon lui, de l'Inde au sujet de la guerre en Ukraine. Et sans plus tarder, donc, entrons dans les détails de nos informations. La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a produit son lot de victimes économiques. Les entrepreneurs dont les activités dépendent essentiellement du tourisme figuraient parmi elles avec la fermeture des frontières. Certains d'entre eux ont été contraints de fermer pendant un an. Des pertes d'emplois et d'énormes pertes financières ont été enregistrées actuellement. Donc, ces entrepreneurs misent beaucoup sur la réouverture des frontières pour redynamiser leurs activités. Grâce à un diète situé, Geneviève Rassat nous en fait le reportage. Les entreprises œuvrant dans le secteur du tourisme ont été parmi celles qui ont beaucoup souffert des impacts de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 95% de leurs activités dépendent en effet de l'arrivée des touristes. Cependant, la fermeture des frontières a provoqué la suspension de toutes leurs activités d'exploitation, engendrant d'énormes pertes économiques. Certaines entreprises ont même dû fermer leurs portes pendant un an et appliquer des licenciements massifs. Un responsable opéra dans le secteur tourisme de dire « Nos offres ciblent essentiellement les étrangers en visite dans la grande île et vu qu'ils se font rares avec la situation sanitaire, nous enregistrons des pertes conséquentes. » Toutefois, avec la réouverture des frontières, avec l'opérationnalité de plusieurs aéroports de Madagascar, avec l'allègement des mesures sanitaires et surtout l'espoir de voir multiplier des dessertes et les compagnies aériennes, les opérateurs touristiques s'activent pour que les conditions soient réunies vers la dynamisation de leur activité et rattraper ainsi les deux années de disette et de manque à gagner. La Banque mondiale a approuvé le 25 mars dernier un montant total de 400 millions de dollars pour améliorer la connectivité, la résilience et la gestion des routes principales dans certaines zones rurales de Madagascar, notamment dans le sud. Il s'agit du projet Connecter Madagascar pour une croissance inclusive qui se compose d'un crédit remboursable de 200 millions de dollars et d'un don de 200 millions de dollars qui aideront le pays à améliorer l'accès des communautés rurales aux opportunités sociales et économiques, selon le communiqué de la Banque mondiale cette semaine. Ce projet financera la réhabilitation et le revêtement d'un tronçon de 100 km de la RN31 dans le nord entre Mangoka et Bialanan et de 400 km de la RN10 dans le sud, nous rapporte le communiqué de la Banque mondiale. Le projet soutiendra également l'entretien d'un réseau routier d'environ 500 km de route secondaire à proximité de la RN10 et de la RN31 pour atteindre les communautés rurales adjacentes. La réhabilitation de la RN10 et des routes secondaires associées permettra un accès fiable tout au long de l'année à la partie du sud du pays qui est la plus touchée par l'insécurité alimentaire, tandis que la réhabilitation de la RN31 et des routes secondaires associées permettra de désenclaver une région agricole
clé dans le nord-ouest du pays. La construction des routes est cruciale et leur entretien l'est tout autant pour leur durabilité. D'où l'importance d'institutions indépendantes et bien gérées dans le secteur routier. La Banque mondiale a considérablement augmenté ses investissements dans le secteur des transports et de la connectivité au cours des deux dernières années, car elle est convaincue qu'une meilleure connectivité des transports est la clé du développement économique et social de Madagascar. Soutient la responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar. Avec l'ajout de ce nouveau projet, le programme d'investissement de la Banque mondiale pour les routes et le transport à Madagascar s'élève maintenant à 740 millions de dollars. La banque est également engagée dans un dialogue politique avec le gouvernement malgache concernant les réformes des principaux modes de transport tels que les chemins de fer, les ports, le transport urbain et l'aviation. Les résultats attendus des politiques publiques à travers les divers projets et programmes appliqués ne sont pas visibles et n'atteignent pas directement la population, selon le constat de la Commission d'évaluation des politiques publiques auprès de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle il est nécessaire d'entreprendre une évaluation de cette politique afin de constater les failles empêchant de ressentir les impacts et d'en tirer de bonnes résolutions, selon la présidente de la Commission, Nadine Yassine. L'Assemblée nationale avait établi une commission d'évaluation des politiques publiques qui concerne les projets et programmes établis par les dirigeants. Le but de cette commission est ainsi de faire une évaluation des politiques publiques car il a été constaté que les résultats attendus par la population dans l'application des politiques publiques ne sont palpables et ne correspondent pas du tout aux attentes de la population même, d'après la présidente de cette commission. Cela ne signifie pourtant pas que les dirigeants ne s'attellent pas au développement, ni n'apportent de l'appui à la population par rapport à la situation actuelle, mais simplement que des failles sont constatées dans l'application de ces politiques, ce qui fait que les résultats y afférents n'améliorent pas vraiment la vie de la population. Raison pour laquelle il est donc nécessaire d'entreprendre une évaluation profonde au sein de ces politiques publiques d'après les explications. C'est suite aux évaluations entreprises que la Commission avec les autres participants, tels que la Cour des comptes et divers ministères, en tireront des résolutions. Ces dernières seront par la suite rapportées auprès des membres du gouvernement qui, à leur tour, devront les étudier et corriger leur mode de fonction afin que la population puisse jouir des résultats de ces politiques publiques d'après les explications. Comme nous venons de voir dans cette annonce, TV Plus Toliara, après 10 années d'existence à son actif, fait peau neuve et a déménagé de ses anciens locaux. TV Plus Toliara est désormais Sizatian Alka Boulevard Lioté, immeuble Toliara Centre. N'hésitez plus à venir nous voir pour toutes vos prestations commerciales à travers TV Plus Toliara. Notre adresse e-mail et notre numéro de contact n'ont pas changé. Moteur, action. Horonantsary Fohy mampatsiahy ny sotoavina malagasy. Ny fahalalam-pomba, ny fahaiza-miaina. Ny fifanajana. Ary ny fifampitaizana eny amin'ny fiarahamonina. Io ara hoe arahinao ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ao anatin'ny fandarana Bon Journo, ao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagascar, ao amin'ny Radio Plus 100 Karo ary ao amin'ny Radio Plus TV. Coupé. Dans la boîte. Fantastic.
fanaragana pasikasy dia arahanao isaky ny zoma sabotsy ary alahady eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Ao anatin'izany fandarana izany dia anasana tanora aneho hevitra hiady hevitra amin'ny lohahevitra anankiray izay atolotry ny mpanolotra na atolotra nyireo mpandray anjara. Andao ivahiny ao anatin'izany fandarana izany, aneho hevitra hiady hevitra mahakasika na lohahevitra iray eto amin'ny firenena, resaka ekonomia, resaka sosialy sy ny lohahevitra maro isan-karazany. Raha te handray anjara ary ianao dia izao ny atao hoe mandefasa MP ao amin'ny pageny pasikasy pejy ofisialy. Rehefa mandefa MP ianareo dia misy fanazavana tonga dia azonareo ao mahakasika an'ireo information rehetrarehetra izay tokony ho fantatra mahakasika ny fandraisana anjara amin'ny deba eto amin'ny pasikasy. Ry tanora, miandry anao zahay. Dans les restes de nos actualités, les habitants de la commune d'Anzeb, dans le district de Manzakanjin, en particulier les agriculteurs, se plaignent du mauvais état des routes desservant la commune. C'est en 2008 que les dernières réhabilitations routières ont eu lieu et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de projet de réparation, raison pour laquelle la municipalité a pris l'initiative d'entreprendre des réparations avec le financement de quelques partenaires. Grâce aux efforts de la commune d'Anzeb, donc, 9 km de route dans cette commune ont déjà été terrassés. Actuellement, été sur place, Rina Suramanambouich et Marcelin Rangebofundi. La commune d'Anzeb, dans le district de Manzakanjin, dans la région d'Analamang, est située non loin de la ville d'Antananarivo au PK30, mais cette localité semble enclavée à cause de l'état désastreux de la route. En effet, aucune réparation des routes n'a eu lieu ces 13 dernières années, selon le chef du district de Manzakanjin. Les habitants en particulier, les agriculteurs et les transporteurs se plaignent du mauvais état des routes dans la commune d'Anzeb. Ces derniers de faire appel aux responsables étatiques à entreprendre des travaux de réhabilitation d'urgence de la route reliant Manakaval à Anzeb. Actuellement, la route de 9 km reliant Mardaz à Anzeb est réhabilitée grâce aux efforts de la commune, aidée de quelques partenaires financiers. L'itinéraire se fait maintenant en 10 à 15 minutes seulement, contre une heure de temps auparavant. Pour ce qui est de la réhabilitation de la route reliant la commune d'Amboudran, Anzeb à Manakaval, toujours dans le district de Manzakanjin, le gouverneur de la région d'Analamang a promis de la prendre en charge, affirme le chef du district de Manzakanjin. La commune d'Anzeb a également bénéficié d'une infrastructure hydraulique et d'un bloc sanitaire. À part cela, un projet de rénovation du bureau communal est aussi en vue, dont les réparations seront entièrement financées par la commune, continue le maire de la commune d'Anzeb. On peut citer également la rénovation du centre de santé de base. Le taux de recouvrement fiscal auprès de la commune d'Anzeb, qui a connu une hausse de 60% contre 20% auparavant, a vraiment permis à la commune de réaliser la construction des infrastructures de base nécessaires aux habitants. Les pêcheurs dans la commune de Batlam Ptsmafouts, région d'Analamang, n'ont pas reçu leur part d'aide sociale Vatstin. Soir, ils figurent parmi les victimes de l'inondation provoquée par les dernières intempéries survenues dans la grande île depuis peu. Une réunion avec le député d'Ambujashim s'est tenue afin de trouver une solution pour ces pêcheurs. Mikel Ndjebolaz, Alfitokutman, nous en fait le reportage. Les pêcheurs dans la commune d'Ambatulam Tsmafouts du district d'Ambuijachim figurent parmi les victimes de l'inondation ces derniers temps, la pêche étant l'une des principales sources de revenus de la population de cette commune, une activité qui a pourtant été interrompue à cause des cataclysmes naturels survenus dernièrement. La montée des eaux impacte également les activités agricoles.
sans parler des dégâts matériels causés par la montée des eaux et qui nécessitent des réparations selon les explications. Une réunion avec le député d'Ambuijachim s'est tenue afin de trouver une solution pour ces pêcheurs. Des solutions à long terme sont entre autres envisagées comme la gestion de l'eau et la réhabilitation des digues. Ces solutions devraient être réalisées dans les meilleurs délais possibles, d'après les explications. Une descente sur les lieux a également été effectuée par le député d'Ambuijachim, Johnny Rakutwarsu, pour voir de près la situation et mieux répondre aux attentes de ces pêcheurs. Actualité internationale pour terminer cette édition. La Russie salue la position de l'Inde sur le conflit en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a salué vendredi à New Delhi l'approche équilibrée, selon lui, de l'Inde au sujet de la guerre en Ukraine. Les détails avec France 24. Alors oui, Sergei Lavrov vient en fait tout juste de rencontrer son homologue indien Subramaniam Jaishankar. La rencontre s'est déroulée sur une note amicale et le ministre russe a même fait l'éloge d'une loyauté mutuelle et ancienne, qui règne entre les deux pays. Donc du point de vue russe et indien, c'est une opération, c'est un succès. L'Inde va continuer à autoriser la Russie à investir sur le sous-continent. Les deux pays vont discuter la mise en place d'un système de paiement en roupies et en roubles pour contourner les sanctions internationales. Et la Russie se dit prête à toute discussion si New Delhi voulait acheter quoi que ce soit venant de Russie. Et je rappelle que l'Inde importe plus de 80% de son armement de Russie. Et enfin, un autre sujet qui a été abordé, c'est la vente par la Russie à l'Inde d'un pétrole à prix bradé. Et c'est d'ailleurs sur ce dossier que l'Inde a vivement réagi hier aux critiques qui lui étaient faites de vouloir discuter ses ressources énergétiques avec l'approvisionnement énergétique avec la Russie. Et le ministre des Affaires étrangères a clairement souligné une sorte d'hypocrisie et de double langage de la part des pays européens qui sont en fait qui se fournissent massivement en pétrole et en gaz en Russie. Et donc New Delhi veut privilégier une diplomatie amicale et le ministre des Affaires étrangères russe a même évoqué la possibilité que l'Inde joue un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci également de rester fidèle à TV+. Au revoir à tous.